SCP-006, Fontaine de Jouvence. Classe, sûr. SCP-006 est une très petite source de située à 60 km à l'ouest de Astrakhan. La Fondation était au courant de son existence depuis le 19e siècle, mais était dans l'incapacité de la sécuriser jusqu'en 1991. Sur les lieux, une usine chimique a été construite comme façade, la majorité des travailleurs étant membres de la Fondation et ou sous contrôle russe. Le liquide émis par la source a été identifié comme étant chimiquement de l'eau minérale naturelle en 1902, mais possédant une propriété inhabituelle de régénération. L'ingestion du liquide produit les propriétés suivantes sur des êtres humains, la capacité de régénérer l'ADN endommagé par duplication, l'excitation accrue des divisions cellulaires, des capacités considérablement améliorées dans la réparation des tissus endommagés, une augmentation notable de l'efficacité du système immunitaire humain. Lors des tests du liquide sur des sujets animaux, les bactéries hostiles et agents viraux ont été détruits immédiatement. La plupart des reptiles et des oiseaux n'ont pas été touchés, tandis que les primates supérieurs bénéficièrent des mêmes avantages que les humains. Bien que la nature de SCP-006 ne justifie pas de confinement complet, un certain niveau de discrétion est nécessaire en ce qui concerne l'existence de l'objet et de ses propriétés, pour des raisons évidentes. Les procédures suivantes sont nécessaires non pas pour la sécurité du personnel, mais pour cacher la véritable nature des effets de SCP-006 aux employés qui interagissent avec l'objet. 1. Tout membre du personnel interagissant physiquement avec SCP-006 est tenu de porter une combinaison BNC modifiée de classe 6 avant que le personnel ne soit autorisé à effectuer des procédures. Ils doivent recevoir des informations sur SCP-006-B et SCP-006-C. Les informations sur SCP-006-A sont limitées aux personnes disposant d'une accréditation E5. Pour s'assurer qu'un membre du personnel porte correctement sa combinaison, il doit être immergé dans un bassin d'eau. Les possibles bulles d'air indiquent la présence d'une fuite dans la combinaison. 2. Les procédures avec SCP-006 doivent être effectuées avec une vigilance accrue. En cas de contact avec SCP-006, le commandant en charge annoncera la procédure 006-12, faisant croire aux membres du personnel concerné qu'une toxicité élevée est présente et qu'il doit évacuer les lieux. 3. Toute procédure dans laquelle un liquide est obtenu à partir de SCP-006 doit être approuvée par 3 membres du personnel de niveau 5. Le liquide doit être transféré dans un conteneur scellé sous la surveillance d'un garde. 4. Tout membre du personnel entrant en contact avec SCP-006 ou du liquide issu de SCP-006 doit être confiné et éliminé dès que des recherches suffisantes ont été menées. En raison de la nature de SCP-006, le procédé de neutralisation le plus efficace est l'incinération. Pour un rapport complet, voir le fichier SCP-006 et LIO5.